Ce qui caractérise le Haut-du-Lièvre, c'est à la fois la densité des habitants et leur jeunesse. Il y a en effet ici une population de 20 000 habitants sur à peine 60 hectares. Et d'autre part, il s'agit essentiellement de jeunes ménages, donc une proportion d'enfants importante, 7 000 enfants de 0 à 15 ans, peu de jeunes, environ 600 de 15 à 21 ans, et presque pas de personnes âgées, une centaine de personnes de plus de 65 ans. On peut dire que la plupart des problèmes qui se posent à ces gens sont des problèmes d'ordre purement psychologique. Oui, c'est vrai, à cause de l'immensité des habitants, des habitations, disons. Vous les voyez vous-même ici, la plus longue façade d'Europe. D'autre part aussi, dans la journée, un aspect un peu désertique. Beaucoup de gens sont partis, tous les hommes, et un grand nombre de femmes également. Ce qui fait que les allées qui bordent les maisons sont désertes. Il n'y a pas de rue non plus, pas l'animation habituelle des rues d'un quartier de ville ordinaire, et également aussi la sensation d'isolement qui pèse sur beaucoup de ces jeunes ménages. Lorsqu'on est très nombreux, par exemple 90 appartements pour une seule entrée au tilleul argenté, eh bien on ne sait pas trop avec qui se lier. On est également loin de la ville, à plus de 6 km, 110 mètres d'altitude au-dessus de cette ville, eh bien on a un sentiment d'isolement qui pèse souvent sur les esprits. Sur le plan de l'équipement, qu'est-ce qui est offert ici à ces gens? Eh bien, un équipement qui est assez complet, malheureusement un peu trop concentré à une seule extrémité de cette cité tout en longueur. En effet, dans le même quartier, on trouvera le centre social et culturel La Clairière, la maison des jeunes et de la culture, le foyer évangélique d'accueil, et également une crèche, un poste de police, un centre de soins de la Croix-Rouge. Plus au centre, on trouvera le centre paroissial catholique et la poste. Et enfin, deux centres commerciaux, les Ombelles et les Tamaris, qui sont distants d'environ 1 km 200. Monsieur Pellat, vous êtes l'un des 40 commerçants du Haut-du-Lièvre. Êtes-vous satisfait de l'installation de l'équipement? Oui, sur ce plan, nous pouvons considérer que nous sommes parfaitement équipés. Tous les commerces sont représentés ici dans ce quartier. Une erreur que nous pouvons cependant déplorer, c'est l'erreur qui a été commise par les promoteurs en ce qui concerne la distance qui sépare les deux centres. On dit que le manque de concurrence a peu aboli l'habitude du lèche-vitrine. Est-ce vrai? À mon avis, oui. Nancy reste le centre d'attraction. Il y a des remèdes, bien sûr, et ce que nous voudrions surtout, c'est que les gens viennent au moins une fois voir ce qui leur est offert, parce qu'il y a des choses que l'on ne soupçonne pas et qui existent pourtant. Madame, vous êtes la première occupante, je crois, de ce nouveau type de logement au Haut-du-Lièvre. Êtes-vous satisfaite? Oui. Combien avez-vous de pièces? 4 pièces cuisine, salle de bain. Vous avez des enfants? Oui, 3. Est-ce qu'ils ont assez de place? Ah oui, chacun sa chambre. Au point de vue confort, avez-vous trouvé ici quelque chose de plus que vous n'aviez pas auparavant? Oui, déjà la salle de bain, et puis le chauffage au sol, l'eau chaude, enfin l'ascenseur, tout. Enfin, tout le confort. Tout confort. Si l'on vous offrait la possibilité de retourner habiter en ville, le feriez-vous? Ah non. Madame, quels sont les avantages que vous avez rencontrés en venant vous installer ici? Ah bien, ici, nous avons le grand air, beaucoup de jours, bien sûr, beaucoup de soleil. Naturellement, il manque des espaces verts pour les enfants, mais le loyer est un peu trop lourd pour un salaire de 500 francs. Et 230 francs de loyer, ça fait lourd. Il faut vous dire que depuis 1960, date de la création du Haut-du-Lièvre, les loyers ont augmenté d'environ 40%.
Or, c'est une très grosse charge pour la plupart des gens qui habitent sur le quartier, puisqu'il faut considérer qu'il y a environ 40% des salariés qui ont un revenu qui est tout juste égal à 500 nouveaux francs. Voilà donc l'un des aspects matériels. Sur le plan du confort, y a-t-il des anomalies ? Des anomalies, il y en a toujours dans les grands ensembles comme celui-là. On ne peut pas tout réussir en un seul jour. Et notamment la question chauffage, qui bien souvent est insuffisant. Bien entendu, les températures ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être. Et alors la question d'eau chaude, évidemment, c'est un gros problème aussi, l'eau chaude, parce que l'eau chaude arrive dans un compteur, il y a un compteur par appartement. Et bien souvent, lorsqu'on ouvre le robinet d'eau chaude, avoir de l'eau chaude, c'est d'abord avoir de l'eau froide. Et bien souvent, on paie autant d'eau froide que d'eau chaude. Il y a aussi, je crois, les bruits. Mais la question de bruit, évidemment, c'est un problème aussi. Mais ça vient évidemment de l'insonorisation des bâtiments. Et la promiscuité, vous savez ce que c'est, ça joue un grand rôle dans la vie sociale. Et bien souvent, le bruit, évidemment, c'est assez inévitable. Et l'insonorisation n'ayant peut-être pas été suivie de très près dans ces bâtiments, c'est un problème aussi.